On va aller sur les collines de Montigardi. Est-ce que vous êtes prêts?
on continue, on est ensemble, écoutez, c'est très simple. Tout le monde. C'est tout simple, ça fait comme ça. Bouja, bouja, tout le monde. Faut qu'on bouja, bouja. Chaud. Bouja, bouja, tout le monde. Faut qu'on bouja, bouja. Chaud. Bouja, bouja, tout le monde. Chaud. Bouja, bouja, tout le monde. Bouja, bouja, tout le monde. Plus fort. Bouja, bouja. Faut qu'on bouja, bouja. Chaud. Bouja, bouja. Tout le monde. Faut qu'on bouja, bouja. Chaud. Bouja, bouja. Chaud. Faut qu'on bouja, bouja. Chaud. Bouja, bouja. Chaud. Faut qu'on bouja, bouja. Chaud. Bouja, bouja. Tout le monde. Faut qu'on bouja, bouja. Chaud. Bouja, bouja. Tout le monde. Faut qu'on bouja, bouja. Chaud. Bouja, bouja. Tout le monde. A cappella avec les gens et elle danse. Juste Joe. Vas-y. Merci à Swingis, merci à Hugo, merci à Wentu. Je sais même plus il y avait combien de personnes sur cette scène. Alors, en parlant de scène, en parlant de scène, et ça va, vous êtes ok? C'est bien, la température est exactement comme à Bujumbura le soir, c'est bien. C'est dommage, il n'y a pas encore de Primus là, je vois pas d'Amstel. Ah, la production, les gens de la prod là. Fallait garnir un petit peu là. Bon, on fera la même chose à Bujumbura. On a comment? J'ai rencontré Edgar. Edgar, c'est Cloca. Je l'ai rencontré en 2004. Voilà, sur des scènes slam et sur ces scènes, j'ai rencontré aussi d'autres frères de plume et on a formé un collectif qui s'appelle Chant d'encre. Et on se prenait un petit peu pour les last poets parisiens. On l'assume, voilà. Jill Scott et Ron, bien sûr qu'on l'assume. Stéphane Edouard, à la pertube. Balance un... Voilà. The revolution will not be televised, brother, sister. Yeah. Je voudrais appeler, ici même, celui sans qui peut-être ce soir je ne serai pas là, parce que c'est lui qui m'a présenté à Suga, qui m'a présenté à tous les frères de Chant d'encre, un soir à une exposition de Bruce Clark, un fabuleux peintre. Je voudrais appeler ici Abkas, fils de nègre. Peut-être qu'il va venir par la salle, peut-être qu'il va venir par les coulisses. Il va débarquer. Abkas, est-ce que tu es là? Thank you.
Non, je ne suis pas un héros. Pas encore ce météore au firmament qui foudra qu'on salve les ténèbres. Non. C'est l'histoire d'un marchand d'armes français, répandant au nom de tirailleurs. Un an prédestiné, me direz-vous d'ailleurs. Son grand-père était poilu en 14-18, mort à Verdun. Bref, tirailleur Jean-Pierre de son prénom a deux passions, l'Afrique et les armes. Des armes de tout calibre qu'il coule en Afrique. Activité juteuse. Pour lui, le fric n'a pas d'odeur, non. T'es pas l'état d'âme. Peu importe où vont les armes. Les vents, plus de froid, pris toutes, ce sont des armes. Ils se foutent de leur usage, des dommages, des carnages. Ces morts par milliers, tout ce sang qui propage. La seule chose qui compte à ses yeux, c'est la marge. Le bénéfice net, l'intérêt qu'il dégage. Business is business, dit un vieil adage. Quand tirailleurs se frottent les mains, ça sent l'orage. Un conflit éclate et Jean-Pierre des bagages. Son catalogue en main. Le carnet de commandes toujours plein. La conjoncture est bonne. Le marché en pleine croissance. Compte en banque suisse et bateau de plaisance. Un train du royal. Tirailleur est aux anges. Le téléphone, un iPhone. Sonne. Annonce un coup d'état. Cessation au nord. Une émeute qui éclate. À l'autre bout du fil, Jean-Christophe éclate de rire. Un marché de plus vient de s'ouvrir. Les nouvelles sont bonnes, un peuple.